Alors maintenant, on va regarder sur une première vidéo la façon de piquer les bestioles. Alors ça, c'est la chasse de la nuit. Les bêtes ont été tuées à l'éther acétique dans ce flacon que vous connaissez puisque je l'ai présenté. Elles sont dans un cristallisoire. Elles n'ont pas été injectées encore. Et dans ce cristallisoire, il y a un sopalin humide. Et c'est comme ça que je les conserve une journée pour pouvoir les étaler le soir. Donc, première chose, ce que je fais systématiquement, j'injecte. Donc, chaque bête va être injectée à l'ammoniaque. La piqûre s'effectue ici. Comme ça, on injecte et je pousse. Hop, voilà. Et là, on vérifie la souplesse. Et là, c'est souple. Je pose ici. Alors, des bêtes plus délicates, comme cette Agrotis sagittum, qui a les ailes pliées, ça, c'est vraiment pénible à étaler sans injection. Donc, elle n'y échappera pas. Injection. Je vais ne le faire que pour deux, ça suffira. J'injecte. Hop, la tête a bougé. Ça veut dire que là, l'ammoniaque est rentré. Et moi, systématiquement, ensuite, avec mes doigts, passer dessous, évidemment, sans toucher les ailes. Je vérifie, regardez la différence. Étaler ça, c'est quand même plus facile qu'étaler ce qu'on avait avant. Voilà. La bête est maintenant assouplie. Et là, le piquage. Super important le piquage. Alors, aiguille numéro 2 pour ces tailles de noctuelles. Du numéro 2. Le truc très important, c'est le piquage bien perpendiculaire. J'ai remarqué quand même que l'erreur du gros débutant est. Ce qu'on voit très très vite quand les gens n'ont pas l'habitude, c'est que c'est pas piqué, d'une part pas au milieu du thorax et pas perpendiculaire. Ça doit être piqué exactement perpendiculaire au thorax. Ça, c'est vraiment l'habitude qui montre que là, on est bien perpendiculaire. Bon, moi, ma norme, c'est 15 mm au-dessus. Voilà, là, je maintiens 15 mm. Pas, je m'occupe pas de ce qui est en dessous. Une épingle entomologique, ça fait 40 mm. Je laisse 15 mm au-dessus. 10, c'est pas assez quand on va attraper les bêtes ensuite en collection. Et 20, c'est ridicule, la bête elle est collée au fond de la boîte ensuite. Donc 15 mm, voilà, celle-là elle est bien. Bon, j'ai mon bloc qui me permet de vérifier à peu près, voilà. Donc là c'est un tout petit peu trop parce que c'est une bête à corps épais, donc voilà, là j'ai 15 mm, la bête elle est comme ça. On va faire la même chose pour cette extraordinaire Orthosia cerasi. Le milieu, pas vers l'arrière, pas vers l'avant, perpendiculaire à l'axe du corps, si le corps était bien droit. Ça passe pile poil au milieu des pattes. Bon, là, c'est pas parfait. Je le vois. Je ressors. Je repique. Voilà. Je les ai, les 15 mm. Bon, j'ai l'habitude. Pourquoi ça? Pourquoi toujours à la même hauteur? Ben parce que c'est très laid dans les collections quand les bêtes sont à des hauteurs différentes. Et surtout, vous allez échanger des bêtes. Et quand vous échangerez des bêtes avec des gens qui ont l'habitude de collectionner, vos bêtes, si elles sont piquées trop bas ou trop haut, ça se verra tout de suite dans la collection. Elles ne seront pas au niveau. Ici, vous avez une boîte que je vous ai préparée de Noctua avec les trois espèces de Noctua, Orbona, Interposita, non deux espèces et le Linogrisea. Alors vous les voyez. Et regardez maintenant les bêtes en oblique. Et normalement, hein, vous remarquez que les bêtes sont piquées aux mêmes hauteurs. Et ça, c'est vraiment important parce que sinon, dans les collections, quand vous avez des bêtes qui dépassent de 3 cm et d'autres qui sont collées au fond, c'est franchement très très moche. Voilà, la suite, ça sera donc maintenant l'étalage.